Souvent, il y a une très grande différence entre un parti au pouvoir et un parti de l'opposition. Mingi, Basepelaka, nous sommes un parti au pouvoir. Vous avez le parti au pouvoir, les hommes abêtés, mais ils peinent à Babylon comme Soussou, et qu'on s'imposait. C'est pour ça les Layango, puisque vous êtes un parti au pouvoir. Oui. Mais, Nazana, moi, Sony Makas. Sony Yamakas. Nazako répétant que j'ai la honte même de me tenir devant vous et de parler. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai vu dans les réseaux sociaux, les commentaires de toutes sortes. Certaines personnes écrivent des histoires. Pour satisfaire l'ignorance, quand un président de la République, j'ai dit bien, le président de la République, ici de ce parti, un membre de l'UDPS, dirige le pays, il ne va pas diriger le pays sur base des sentiments et des émotions de nous de l'UDPS. Personnellement, je suis choqué. J'ai lu des. Je ne sais pas comment qualifier ça. Vous me voyez, moi, secrétaire général, aller à contre-courant avec la position du président de la République. On est où? L'autre fois, je vous avais dit ici que nos amis qui avaient dit Tosa Obika, ils ne parlaient pas de Kabuya. Puisque certains, quand on cite le nom de Kabuya, ça dérange. Et j'avais bien éclairé. J'avais dit, il s'agit du président de la République. Comment expliquer un homme sérieux, un homme qui a toutes ses facultés, il voit un président d'un autre pays venir chez nous ici. Vous voulez que je fasse quoi? Que je convoque les gens pour dire que non, il faut vous en prendre à ce président-là. Mais on est où? J'ai vu les gens écrire. Même un enfant de maternelle ne peut pas réfléchir comme ça. Un président qui vient dans notre pays, il faut commencer d'abord par comprendre que quand il vient, c'est avec l'accord du président de la République, son excellence Félix Tshisekedi. Est-ce que le président de la République va nous demander, nous ici, non, je vais recevoir tel président, quel est votre point de vue? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un parti au pouvoir, les gens se comportent comme des sauvages. Allez dans les réseaux sociaux. Vous pensez que les gens qui ont plus de moyens pour écrire dans les réseaux sociaux du matin au soir, il n'y a que nous de l'UDPS. Ou bien tel que je suis là, pour prendre une position qui va dans le sens de soigner l'image du parti. Je dois réunir tout le monde. Bon, si je commence aujourd'hui à consulter, rien que vous qui êtes ici, est-ce que je vais terminer ces consultations? Les autres disent, oh, c'est aujourd'hui que nous avons compris que les partis n'existent pas. Non, les partis n'existent pas dans ta tête.
Nous sommes un parti au pouvoir. Notre première mission, c'est d'être derrière le président de la République. Et tous ces aventuriers qui font des bruits de gauche à droite pour dresser la population contre la France. Mais la force Artemis était dans ce pays pour défendre la RDC. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres pays au niveau de l'Europe qu'aujourd'hui on vient dresser les membres de l'IDPS contre la France? Non, ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est d'accompagner le président de la République. Et certains posent des questions. Oh, quand le président se déplace pour la France, est-ce qu'on mobilise les gens pour son accueil? Moi, je vais vous dire ceci ce soir. Nous sommes des Bantous, nous avons nos traditions. Personne tel que vous êtes là peut accepter que son enfant puisse l'appeler par son nom, André. Gilbert, qui peut accepter ça? Mais quand vous allez chez les Blancs, vous allez trouver son enfant qui l'appelle André Gilbert sans poser de problème. Mais chez nous, nous avons nos traditions. Nos enfants nous appellent papa et les autres appellent maman. Mais pourquoi nous ne refusons pas et nous copions ce qui se passe à l'Occident? Nous avons nos traditions. Quand un visiteur arrive, nous nous organisons pour l'accueillir. Où est le problème? Les gens déjà organisés, ils disent quoi? Un incident se passe là-bas en Galiema, chez notre artiste Fali Poupa. On met ça sur le dos de l'IDPS. Et vous maintenant, vous voulez qu'on développe le discours pour donner raison à tous ces aventuriers-là qui voulaient ternir l'image du parti. Je ne viendrai pas consulter qui que ce soit. C'est moi qui engage le parti et j'ai signé le convenu. Comment Batmou? Écoutez, et ça, Babiloko, il y a Sony. Babiloko, il y a Sony, il y a Sony. Tu peux avoir fait l'université, mais la sagesse, c'est une autre chose aussi. Tu peux être intelligent, mais sans toi être sage aussi. C'est le nom de Kabouya Konsip. Quand ils allaient faire des bêtises, je ne suis pas avec toi. Mais quand on cherche maintenant à attaquer, on attaque le président de la République, on attaque Kabouya. Pourquoi le nom de Kabouya est cité? Pourquoi on ne cite pas le nom de votre père ou bien votre nom personnel? Parce que vous n'avez aucune responsabilité sur le parti. Batignon sur Bazako, dressé partout. Oh non, France a condamné, la France n'a pas condamné les Rwanda. Il n'y a que la France qui représente l'Europe dans son ensemble. Vous pouvez me citer plusieurs pays de l'Europe qui ont condamné les Rwanda. Nous parlons de quoi? Et je vois quelqu'un qui écrit dans son commentaire, nous allons dans cette matinée, s'il parle, il va voir. Dit, mais dès que tu entres, tu fais des bêtises, je donne l'ordre, tu ne sauras pas sortir là-bas. Tu ne vas pas sortir. Moi, je suis là et je vous l'ai dit. Je suis là pour défendre la politique du chef de l'État. Le patron de l'administration. Comment vous pouvez faire de l'hypocrisie? Oh non! Kabouya a signé le communiqué, comment? Pour demander aux gens de réserver un accueil chaleureux, dit, vous me condamnez, un parti côté d'abord c'est un fait privé. Si vous êtes sérieux dans votre logique, commencez d'abord à condamner toutes les institutions et la première institution qui est le président de la République, si tu es honnête dans ta démarche. Nous ne sommes pas ici pour faire la politique de la Mouka ou bien de Katumbi. Pas question. S'ils ont des problèmes, des comptes à régler à la France, qu'ils les fassent autrement. Pas derrière les militants de l'IDPS. Les combattants de l'IDPS sont pour accompagner le président de la République. Okay? Soyons sérieux.
Les gens font la honte aujourd'hui. Basolo Baba Bousoba. Oh non. Comment Baso Sengabat Naza Koeb Sabino Boy. Biso Babantou, tous en la tradition en Abiso. Quand on va travailler à la bande pour Abiso, tu es bien tu es en Bakabango. Ndenge Bozali Aou. Nana Koso Wala Maï, si comme on a moins en Aïe. Azate. Mais les blancs les font tous les jours. Tout le monde a un bassin, même il y a Nicolo, il y a une piscine. Tout le monde a un mais ça fait partie de leur tradition. Comment vous allez nous interdire de ne plus préparer un accueil chaleureux pour un président qui arrive dans notre pays? C'est quelle logique ça? Et moi, je dois signer un communiqué. Je demande à tous les membres de l'IDPS de s'en prendre. C'est quel raisonnement ça? Vous me voyez, moi, faire mener une telle démarche. Comment on va tout basolo ba auto gunami auto gunami. Oui, je ne remets pas en cause tout ce que certains ont fait dans ce pays. Mais il faut être honnête. Il faut dire la vérité aux gens. Mais partout, ils ont une série, une section, ils ont un outil. Il faut être par rapport à mon tango, au bandage Kobunda, na cellule nini, na section nini. Pourquoi il s'est bissoté go, bissoté bando qui est devant marge. Na lokota ki mutumoka na balukutawa na zolo banini. Oh, ngai, tokende ki marge na 2014, babetanga masasi, tamba sisi na lume, soyons sérieux. 2013, 2014, pour organiser une marche à Kamogote. Nous avons une phase où papa Tshisekedi Alobaki, voilà la pongue à Babete. Mais comment tu peux me mentir comme ça que Babete a comme ça? Mais elle dit que soit au Kendo Sala Kikuluna, soit au Kendo Sala Dega Mokoboe, au Babete a comme ça. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, Batignon Soyo, ezala bato ya libanda, ezala bato ya kati. Ba yebi, ba décision nyonso o papa Tshisekedi Etienne personnel abandaki ko signé ngai mutu na bandeko ko rendre ango public, c'est connu de tout le monde. Nazalaki na communication, c'est connu de tout le monde. C'est raison pour laquelle j'ai la maîtrise ya bato yo ba jeraki parti ezala libanda, ezala na kati ya. Na sina zwa ebele na kati ya. Na kati ya sala au moins nous toi débarqué au gaza fédéral ya mboka boye na tunye kaka mboka nao nini oza fédéral décision no ezaki signé en quelle année oh non ba desenga na kati ya réunion na le binono pour être reconnu comme fédéral tu dois normalement avoir la décision portant en nomination ba kosa kabiso ba biloko oyo biso to éviter. Nous n'avons aucun problème avec le président français Emmanuel Macron. Oui. Nous n'avons aucun problème. Il vient pour rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Même pas Nabino Bovandi. Mon père a dit que je suis un papa. Au bandit et bitumba. Est-ce que vous avez moi dans malam? Mon père a joué à Epanabino pour Asololana Papa Nabino. Est-ce qu'il faut l'attaquer? Jamais. C'est la raison pour laquelle Bino, vous les présidents cellulaires, sectionnaires et fédéraux. Le président français arrive chez nous. Il doit rentrer chez lui avec les honneurs que réellement en République démocratique du Congo, il y a un président, un homologue qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous m'attendez? Oui! Vous allez lui réserver un accueil chaleureux. Ceux qui ne veulent pas qu'on les fasse comme ça, c'est leur droit, nous sommes en démocratie. Ouais. Mais nous, comme étant famille politique du chef de l'État, nous sommes tous conscients que c'est le président qui va recevoir son homologue. Quels que soient tous les discours qu'on peut développer pour nous exciter,
notre mission, c'est d'être derrière les chefs de l'État. Et je profite aussi de l'occasion pour dire aux uns aux autres, il n'y a pas seulement la France qui n'a pas cité ouvertement les Rwandais. Si je vous pose la question, le Portugal a déjà fait une déclaration condamnant les Rwandais. L'Angleterre a déjà fait une déclaration condamnant les Rwandais. L'Allemagne. Non. Mais pourquoi il n'y a que la France qui va porter les chapeaux? Ce sont des polémiques inutiles, effectivement. Il ne faut plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. J'ai signé ce communiqué en toute responsabilité. L'autre, d'ailleurs, je l'avais déjà annoncé sur la chaîne nationale que si l'arrivée du président français est confirmée, nous allons signer un communiqué demandant à notre base de lui réserver un accueil chaleureux. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui. Personne ne peut vous raconter sa vie ici. Nous sommes tous derrière les chefs de l'État. Applaudissons très fort pour le président de la République. C'est au président de la République seul, c'est à lui seul de dire ce qu'il pense au président français. Ce n'est pas à nous. Et je me fais bien comprendre. Correct, bien parlé. Pour ceux qui disent que non, quand le président va en Europe, est-ce qu'on prépare son accueil, ainsi de suite? Il faut dire à ces gens-là que nous, nous sommes des Bantous, nous avons nos traditions en tant que Bantous. Est-ce que je me fais bien comprendre? Que quelqu'un ne vienne pas vous raconter sa vie. Nous avons une seule bouche autorisée dans ce stade, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut applaudir très fort. Nous avons un président qui fait notre fierté. Ceux qui veulent régler des comptes au président français et à la France, qu'ils attendent quand le président français va retourner chez lui, qu'il commence maintenant à s'exprimer. Ici, il est venu pour rencontrer son homologue, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok? Oui. D'abord, nous, de l'UDPS, nous sommes un parti politique de la non-violence. Nous ne pouvons pas nous rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Il y a des tonneaux vides. Les gens qui n'ont rien dans leur tête. Mais quand ils sont sur la... Qui vous a dit que quand vous parlez dans les réseaux sociaux, c'est le synonyme de l'intelligence? Hein? Qui a fait cette mention-là que non? Quand quelqu'un passe tout son temps dans les réseaux sociaux pour crier matin, midi, soir, il est intelligent. Vous savez, dans la vie, hein, quand la haine domine toutes les bonnes idées dans votre cœur, tu vas commencer à confondre beaucoup de choses. Dites-moi un peu, réfléchissons ici en toute indépendance d'esprit. Les présidents, à partir des palais présidentiels, il apprend que sa propre famille politique que nous sommes, nous avons levé l'option de s'apprendre à la France. Est-ce que c'est normal ça? Ils doivent patienter. Les jours où ils auront la direction de ce parti, ils peuvent se comporter comme ils pensent. Ouais. Mais pour le moment, c'est Augustin Kabuya qui engage le parti. Il y a un semblant qu'il y a un chef direct de ce parti qui s'appelle Félix Tshisekedi. Entre nous,
Est-ce que vous avez fait des douanes? Au solo la Makambu ya ANC du début à la fin, sans parler de Mandela. Hein? Au petit Masolongo du début à la fin, sans parler de Mandela, voire même de sa famille. Bisoto kende ki na matanga ya fait président Edouard Dos Santos en Angola ici. Bazo beta ba masolo nyonso. Tozo ka bazo beta masolo ya neto. Eduardo. Puis baza ba oyo batiki ba trace na bango. Lelo, je dois vous dire une chose. Nous sommes des Bantous. J'insiste là-dessus et je sais de quoi je parle. Bomonaka, Patriarche Antoine Gizenga Sakoufa. Mais au coup que nous avons un bandeau à dire, au bête à ma solo, à ma politicien, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, sans qu'on parle de la famille Gizenga. C'est pratiquement impossible. Thank you.